La vie associative est dense à Jura Sud et la rentrée est une période propice pour la présenter à la population locale et d'ailleurs aussi. Laurence Masse, adjointe au maire de la commune de Moirans-en-Montagne, vice-présidente du comité culturel d'animation. Merci de prendre ce micro, pour, parce que je sais que vous êtes bien occupée ce matin, pour parler un petit peu de ce qui est en train de se dérouler un peu partout autour de nous. La culture, les loisirs, les sports, ils sont tous là ce samedi 10 septembre 2016. Alors nous avons une très grande partie du tissu associatif présent aujourd'hui. Nous avons 33 associations, donc comme vous l'avez dit, réparties dans les domaines du sport, de la culture, social, des loisirs. Donc nous sommes ravis. L'année dernière, nous avions 27 associations, donc ça progresse. On voit que l'événement plaît et puis il devient aussi important pour nos associations. Quel est l'objectif de cette journée particulière ? Alors, il y a plusieurs objectifs. Le premier, bien sûr, c'est de faire connaître nos associations au grand public. Donc voilà, ça permet à certains de venir découvrir les nouvelles associations qui se sont créées. Nous avons la chance d'avoir de présenter également nos nouvelles associations, le club de Jura Sud Photo, le club de Jura Sud Bike, et puis également nous avons la possibilité, on a une association qui souhaiterait se créer, Jura Sud Volleyball, et donc c'est une opportunité pour lui de voir si dans un avenir proche il pourrait trouver des licenciés pour monter cette association. Donc voilà, c'est un des objectifs, c'est de faire connaître tout notre tissu associatif qui est riche et varié. Mais il y a également un autre objectif qui est très également important pour nous, c'est de permettre à nos associations de se rencontrer une fois par an, c'est-à-dire que avoir un moment où ils peuvent échanger, où ils peuvent peut-être même convenir de... échafauder des projets. Tout à fait, voilà. C'est important parce que c'est vrai qu'ils sont tous très occupés tout au long de l'année. Et puis là, c'est leur moment aussi à eux, voilà, de pouvoir échanger, de prendre des conseils ou même d'en donner. Donc, se rassembler, se retrouver pour communiquer. Aussi, tout à fait. Non, mais c'est important pour eux, pour le public, parce que ça permet de se rendre compte que sans association, notre vie serait bien triste. Voilà, parce que ça crée du lien, ça nous permet de nous évader de notre quotidien, d'apprendre de nouvelles choses, ça permet de donner de son temps pour les personnes qui en ont. Donc c'est vraiment très important dans notre société d'avoir des gens qui ont encore envie de donner, et nous les encourageons à le faire. Et certaines associations, je sais, recherchent des bénévoles. L'appel est lancé. Tout à fait. Tout le monde peut se manifester. Oui. Ce jour-là est fait pour ça aussi. On sent cette vie. C'est une fête de rentrer. C'est vrai que ça nous permet d'avoir des démonstrations, des différentes associations. Comme là ce matin, nous avons eu de la country, nous avons eu des danses folkloriques. Nous avons l'association canine qui nous fait des démonstrations, l'association trial et bien d'autres. Là, le handball à côté de moi. Donc voilà, c'est une fête de rentrée pour nos associations, tournée vers le public. C'est important. C'est aussi la culture. Donc les associations comme Idéclic, qui sont l'association est très connue. Nous avons La Vache qui rue, donc qui nous propose des cours de théâtre prochainement, et puis qui nous propose tout au long de l'année des spectacles. Mais nous avons d'autres associations sociales, Moirans en solidarité. Donc c'est l'automne musical. C'est important la musique. L'école de musique de Jura Sud. Donc voilà, ça permet aussi à ces associations de se faire connaître, de nous montrer leur programme, parce que c'est vrai que souvent c'est pas facile d'aller partout ou même de savoir ce que font ces associations. Donc voilà, c'est leur jour pour expliquer, pour montrer ce qu'ils font tout au long de l'année. À l'instant, sur scène, de jeunes en costume rouge, exceptionnel. Voilà. Donc l'association turque nous a fait l'honneur cette année de nous proposer deux danses folkloriques proposées par les enfants. C'est encore d'autant plus beau, donc j'étais très contente qu'ils nous le proposent. L'année dernière, ils étaient, bon, c'était la première fois, c'était, voilà, c'est normal, les premières fois c'est jamais évident, et cette année automatiquement ils nous ont dit, ben nous on a envie de présenter aussi notre folklore, et je pense qu'il est important qu'on connaisse et de voir que c'est présenté par des jeunes, c'est d'autant plus beau. Merci Laurence Masse. Merci à vous, l'année prochaine, troisième édition. Tout à fait, c'est un événement que l'on souhaite continuer, voilà, parce que je pense qu'il est important, troisième édition, et puis les gens vont marquer dans leur agenda oui, cet ça. Événement. Voilà. Alors rendez-vous est donné, merci à vous, à bientôt. À bientôt.